Bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre dans mon sac de sel? Alors, j'ai commencé par un tour de cou, une combinaison de pluie, une bombe anti-crevaison, une microfibre, un bloc disque et ben, si je mettais aussi mon casque. Bon, j'ai peut-être arrêté là parce qu'après, j'arriverai pas à le soulever. Allez, on va fermer ça et puis on va y aller. Allez, c'est parti. Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, comme vous l'aurez compris, mon sac de sel BMW S1000R. Maintenant, on va voir la réelle contenance du sac, parce que vous l'aurez compris, au tout début, c'était un fake. Donc voilà, donc on enlève la partie étanche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut la retrousser. Voilà, je vais le faire vite fait. Et une fois retroussée, hop, on peut la fixer comme ça et la laisser ouverte quand il pleut pas. Il n'y a aucun souci, on peut la fermer que quand il pleut. Voilà, ils ont mis des petites attaches. Simple à mettre. Hop. Et voilà. Donc là, on peut voir que on a encore un petit peu de place pour mettre au moins un tour de cou et une paire de gants. Il n'y a pas grande place, mais en plus du casque, on peut mettre un tour de cou et une paire de gants. Et ce sac est magique car il est extensible. Positionner le casque pour vous montrer la place restante. Hop, on va bien le mettre au bout là. Et voilà, donc il reste pas la place pour un second casque, mais la moitié d'un casque pourrait rentrer en fait. Donc c'est déjà pas mal. Alors pour vous donner un aperçu un peu plus global, je vais enlever le casque. Et voilà,
Franchement, j'ai été surpris par la capacité de ce sac. Je pensais pas que je pourrais autant rentrer dedans. Donc on referme tout ça. Et une seconde surprise sur ce sac, c'est qu'il y a des petites poches. Donc on peut pas mettre grand chose, surtout quand il est plein à rabord, mais on peut mettre les papiers de la moto ou une microfibre. Voilà, dans cette poche, j'ai une petite sangle qui permet de transporter le sac lorsqu'il n'est pas sur la moto. Donc je vais l'agrandir un peu, ça bloque. Sur les anneaux du sac qui sont prévus à cet effet. Voilà, donc on peut enlever le sac et le transporter en bandoulière grâce à cette sangle. Alors, petit inconvénient, en plus de celui de monter sur la moto, c'est les sangles, si on les oublie, elles peuvent se balader quoi, sur la moto, et elles peuvent peut-être même aller dans la chaîne, dans la roue. Donc ça, c'est vraiment dommage, il faut absolument penser à les enlever à chaque fois, ça m'est déjà arrivé d'oublier, et c'est vraiment pas top, quoi. Donc elles sont un peu difficiles à enlever, et à l'usage au quotidien, franchement, c'est pas terrible, c'est le point négatif avec celui de monter sur la moto. C'est les deux points négatifs que j'ai trouvés sur ce sac. Voilà, donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Et je vous dis V++ et à bientôt.